Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 13 de la solution de Zelda Mystery of Solaris DX. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que je suis à nouveau avec Bimbin. Salut Bimbin. Salut, salut, bonjour à tous. Comment ça va? Bon, très bien. Voilà. Alors c'est un épisode un peu spécial parce que Bimbin a fortement participé à la création de la version DX, puisque, n'est-ce pas, tu as créé un donjon entier. Voilà, tout à fait. C'était un donjon C'est le un peu spécial qui principal. me tenait à cœur, en fait. Vous allez voir La pourquoi. grande nouveauté de Zelda Mystery of Solaris DX par Voilà. rapport à la vieille version, c'est qu'il y a un donjon secret. Et ça va être le moment d'aller le visiter. Mais avant, nous allons sûrement faire une petite quête. Un petit préliminaire qui va être vachement utile. Donc, on va aller chercher un objet spécial. On va dans les montagnes. C'est parti. J'adore ces montagnes Et la pour sa musique. belle musique. D'ailleurs, ça va être en fait un épisode qui va être un énorme clin d'œil à Link's Awakening au final. Déjà au niveau de la musique, mais surtout au niveau du donjon que j'ai fait. Et vous allez comprendre très vite pourquoi en fait. Hop, la Alors, petite voici la torche. fontaine des fées de la montagne. Hop. Sois le bienvenu, jeune homme au grand courage, j'attendais ta venue. Je suis la fée des voyageurs. Toi qui traverses le monde pour combattre le mal sans relâche, permets-moi de te transmettre une technique ancestrale. Tadadadam! Voilà, donc le principe d'escrime. Donc c'est une technique qui est apparemment d'épée. Attaque avec attaque tournoyante, il me semble. Voilà. Donc c'est un truc un peu loufoque, hein. Parce C'est un que. petit ajout de dernière minute parce qu'il restait une place dans l'inventaire en fait, juste ici. Oups, juste ici. Voilà. Hop. Donc maintenant nous allons pouvoir nous diriger Alors vers le donjon. on a fait un petit brainstorming pour savoir qu'est-ce qu'on allait mettre à cet emplacement de l'inventaire. C'est ce qui est ressorti. Alors l'attaque est pas super pratique en combat, mais c'est surtout assez rigolo quoi. Ouais, c'est juste pour le fun, quoi. C'est un Ouais, peu c'est au fait. essentiellement ça, c'est pour le fun. Ouais, au final, c'est un peu une blague. Un gros clin d'œil un gros foutage de gueule par rapport à d'autres jeux, quoi. De Zelda. Parce que certains de ces objets, au final, qui sont un peu peut-être. Dans les Zelda officiels, qui sont peut-être un peu bizarres, quoi. Un peu Comme ça. inutile, ouais, Un peu ça arrive, inutile. ouais. Voilà. Donc là, j'étais parti pour me tromper de route. Et finalement, c'est par ici qu'il faut aller. Donc là, il me semble qu'on va aller dans un petit labyrinthe dans les arbres. Au sud de. C'est au sud-ouest du village, je crois, je sais plus. Ok, non. Ouais, c'est à l'est. Ah oui, c'est à l'est, ouais. C'est ça. Me semble que c'était Le plus bas. boomerang est toujours aussi pratique pour les combats. Donc c'est juste ici. On a un petit passage dans les arbres. Hop. Hop, on arrive là. Et on peut continuer. Après, il faut y aller un petit peu à tâtons. Il y a des murs un peu biscornus. Mais au final, on y arrive. Voilà, on sort par ici. Et là, surprise! Où sommes-nous sur la carte? On est dans un endroit qui est même pas indiqué sur la carte, on est à l'extérieur. C'est génial. Ça poutre. Et ici, on retrouve la musique des montagnes du monde des ténèbres de A Link to the Past. Musique qui poutre passage aussi. Hop. On a des ennemis un peu coriaces là. Ouais, Oula, est-ce c'est qu'ils peut-être arrivent le. celui-ci? Ouais, ils ont pas mal de points de vie ceux-là. Ouais. Même avec la grosse épée. Alors, on va aller un petit peu admirer le paysage quand même. C'est clair. Donc, Parce qu'il y a voilà. une ambiance assez particulière dans cet endroit-là. Donc là, vous avez compris, il s'agit d'une tour. Une tour très haute. Mais en fait, il n'y a rien à faire derrière. Si ce n'est admirer les paysages. C'est clair. Donc une tour, donc effectivement, ça vous fait penser tout de suite peut-être à la tour du Palais de l'Est dans Link to the Past. Mais aussi en fait à la tour du Vautour dans Link's Awakening. La tour des rats de Link to the Past, tu veux dire, Et peut-être, parce pardon, que pardon. c'est les graphismes qu'on a repris. Et ici, nous sommes dans la Et tour des cieux, qui est donc ton niveau secret. voilà. Donc là, première emmerde, on est bloqué par la porte à droite.
Et voilà, il suffit de tirer une flèche dans l'œil. Ne pas hésiter à. Alors là, je vous invite à soulever les pots parce qu'il y a des flèches et les flèches vont s'avérer très utiles dans ce donjon. Bon, en même temps, on a 30 flèches, ça devrait pas trop poser de problème. Alors au niveau musical, on est avec la musique de la tour du vautour. Voilà, de Link's Awakening. Donc là, l'interrupteur du cristal, on peut pas l'activer à cause des blocs qui sont au bout là-bas. Donc on est emmerdé, donc le seul moyen pour le moment c'est d'aller en haut. Alors comme il s'agit d'un donjon secret, on peut avoir tendance à être bloqué au début et à penser que vous pouvez pas encore le résoudre. Ah, le coffre est vide. Mais en fait, il se trouve que dès que vous pouvez entrer dans le donjon, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le finir. Normalement. Parce qu'au final, le seul truc qui bloque vraiment le donjon, c'est les pierres. Alors là où on peut pas les passer. Les pierres sombres. Oui, c'est les pierres sombres qui étaient à l'entrée. Là, les statues cyclopes, vous pouvez leur tirer dedans, il se passera rien. Donc on continue. Ici, on peut pas passer. Donc on continue. Et ici, il y a rien, et donc voilà. On croit que c'est terminé. En fait, c'est pas terminé. Parce qu'il y a deux torches qui sont louches là. Voilà, il y a une petite faille. Bon, c'est un donjon secret, alors fallait pas espérer qu'on donne beaucoup d'indices. C'est clair. Donc, on met une bombe. Ça nous permet d'accéder en haut. Et voilà. Donc déjà, on va activer l'interrupteur de cristal pour pouvoir passer dans la salle que nous avons vue tout à l'heure. Alors ensuite, il y a un petit labyrinthe avec des blocs à pousser. Pas bien compliqué. Pour atteindre la carte. Oui, voilà, la carte. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de sorcier. Donc on peut regarder à quoi ressemble le donjon. Il y a 4 étages. C'est une grande tour, tout simplement. Voilà. Hop. Donc on revient sur nos pas. Avec notre petite clé. Et comme on a activé donc les blocs, maintenant on peut passer avec le grappin. Voilà. Il suffit de réenclencher et d'ouvrir la porte. J'espère qu'on a des bombes. Ah, mais j'ai oublié de faire le plein de bombes. Ouais, ça va, 8 bombes normalement, ça devrait être voilà. Pas mal déjà. D'ailleurs, on en a déjà utilisé une. Donc là. Voilà. Bon, pour le moment, c'est assez linéaire. Hein. Ouais, ouais. C'est un donjon assez linéaire au final, j'aime bien le concept en fait. La musique a été faite par Metalizer il y a assez longtemps. Donc là, on se retrouve à nouveau bloqué. Donc l'astuce, voilà, c'est ça fallait y penser. D'activer le bloc qui est en dessous. Le cristal. Il y a la même astuce dans Mystery of Salarus XD, d'ailleurs, avec la même musique. Bureau des objets trouvés. J'avais même pas fait le rapprochement. Donc là, on a beau appuyer sur l'interrupteur de droite, là, il y a un bruit d'erreur qui. Donc j'ai posé une bombe, on la voit pas, mais j'ai posé une bombe sur le cristal. Voilà. Et effectivement, donc l'interrupteur, c'est pas pour tout de suite. Donc là, on voit qu'il y a des serrures avec 4 torches. Donc vous imaginez bien qu'il faut allumer les 4 torches. Ils sont violents ceux-là. J'adore ces monstres. Isalfos, dessiné par New Link toujours. Ils sont super rapides. Un génie. Oui. On a quelle épée là? C'est l'épée. C'est la toute première épée. La toute première. Pour l'instant. Donc déjà là, rien qu'avec la première épée, ça peut être un peu chaud. Il faut faire attention quand même. Quoi. Les points de vie ils partent assez vite, surtout avec les monstres verts. Alors, on va utiliser le grappin et la lanterne. Alors, voilà. Rien bien ce sorcier. Ça, c'est un truc que j'avais vu dans Link's Awakening aussi. J'aimais bien ce genre de concept aussi. Je crois que c'est aussi la tour du vautour, il me semble. Je suis plus très sûr, par contre. Je me souviens plus bien à quel endroit il y a ça. Ou alors c'est la grotte du génie avec les fantômes au début. Donc là il faut poutrer le petit monstre là.
Ces monstres là, quand ils sont seuls, ça va, mais alors quand il y en a plein, c'est un peu le bordel. Au moins ils sont faciles à tuer. C'est clair. Ok, alors on va reprendre le d'un côté. Oups. Ah bah alors. Donc là il faut remonter en haut à nouveau, donc on a une clé qui va nous servir. On va avoir besoin de au total 4 clés. Voilà. Parce que on a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 torches. Et pour chaque torche, il y a aussi une serrure. Il y a même 6 torches. Oui, pardon, torches, pardon, pardon, oui, oui, effectivement, il y a 6 torches. T'es sûr que c'est toi qui as fait ce donjon? Oui, oui, non, mais on est le soir, je suis un peu fatigué. Puis ça fait un moment que... Et puis ça fait surtout un moment que j'ai pas mis la main dessus, c'est vrai. Donc en fait, les torches, elles vont nous permettre d'accéder à une autre partie du donjon. Donc toute la partie supérieure. Donc on peut pas continuer le donjon tant qu'on n'a pas allumé ces torches. Et pour atteindre donc ces 4 torches, on va avoir besoin des clés. Voilà. Voilà les 6 torches. Voilà. Au centre. Donc on a une clé. Qu'on a eu en tombant dans le trou tout à l'heure. Il y a une autre clé qu'on peut avoir en tuant absolument tous les ennemis de cette pièce. En sachant qu'il y a une... C'est gigantesque, c'est assez long. Certains des ennemis sont d'ailleurs... coincés entre les serrures, donc... C'est difficile à atteindre. Voilà, donc il va falloir être malin. Ouais. Donc on peut commencer déjà à buter les monstres qu'il y a autour. En sachant qu'à mon avis, la prochaine petite clé, c'est pas avec le monstre qu'on va l'avoir, c'est avec une freining. Oui, il y a les interrupteurs. Donc il y en a 4. Donc c'est pas celui-là. Donc il y en a 4, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je crois qu'il faut commencer par le nord. Il y a une indication, il me semble d'ailleurs, quelque part. Non, il n'y a pas d'indication. Ah, il n'y a pas d'indication. Mais de toute façon, ça sert pas à grand-chose puisque... Il n'y a que 4 interrupteurs donc... Il y en a 4 et dès qu'on appuie sur un mauvais, on le sait tout de suite. Donc là, on a une deuxième petite clé qui était cachée... Sous un pot. Sous un pot. J'adore ce concept aussi de murs qu'on voit à moitié, de plafonds qu'on voit à moitié. C'est beaucoup utilisé dans les jeux de base. Ouais. Qui sont avec Link's Awakening les deux meilleurs jeux de Lego. Ouais. Alors j'ai appuyé sur celui du haut. Après, il me semble que c'est celui du bas. Il me semble aussi. Donc là, le pont, il va falloir encore des bombes parce qu'il faut accéder à nouveau de côté des blocs. Et oui. Passer, il faut monter par là. Et oui, c'est une salle chiante. Ensuite, des bombes. Voilà, le mécanisme qu'on a fait tout à l'heure en venant dans cette salle. Ensuite, sauf erreur de ma part, c'est celui de droite. Tout à fait. Et pour finir, celui de gauche. Et voilà, deuxième clé. Bravo mon cher Kisou. Merci. Donc là, on va pouvoir commencer à ouvrir les serrures, je pense, pour atteindre les... J'en ai déjà ouvert une, en fait. Les monstres qui sont à droite, surtout. Alors si jamais vous ouvrez les mauvaises serrures et que vous avez plus de clé, vous pouvez toujours tuer ces deux monstres à distance avec des flèches. Oui, c'est possible. La plateforme qui est en face. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Normalement, je pense pas que ça soit nécessaire, mais... Ça peut arriver. Si vous avez envie de faire ça, ça marche. Donc il y a un temps, hein, il faut bien allumer les trois torches de droite. Paf, ça détruit le bloc de droite sur la passerelle centrale. On va faire pareil à gauche. Je m'étais bien amusé à faire ce truc là. Donc qu'est-ce qui manque comme clé? C'est celle des monstres. Oui, c'est celle des monstres. Tu as tué tous les monstres encore? On a peut-être zappé un ou deux monstres. Comme la salle est grande, et eh ben voilà. J'en oublie un. Et eh ben voilà. Il me semblait que tu l'avais aussi. Quel voilà. Petit coquin. Voilà. Hop. J'ai envie de m'accuser un petit peu. C'est-à-dire? Alors, je peux pas passer. Vous voulez faire quoi? Attraper la clé depuis la plateforme. Mais je peux pas puisque il faut la clé pour atteindre la plateforme. Bah ben oui. Alors, c'est parti pour la partie gauche. Hop. Attention à l'énergie magique aussi. Oui. Surtout que là, on n'a pas encore le double de magie. Tu vas arrêter de spoiler, là? Je ne spoil pas. Surtout qu'on va l'avoir très bientôt. Je ne
spoil pas, mais le prochain combat sera le double de magie. C'est clair. Alors, donc là, on est redescendu au rez-de-chaussée. Mais dans une autre partie, donc... Ici, on pousse un bloc simplement pour pouvoir revenir plus rapidement par la suite. En sachant qu'il revient si on quitte la salle. Hein. Non, il est sauvegardé, justement. Il est sauvegardé, d'accord. C'est un accès pour, par exemple, retourner à la suite plus rapidement. Donc là, il faut accéder de l'autre côté. Donc on peut y accéder par le grappin, mais on a vu qu'il y avait un petit bloc qui nous... Il y a des blocs rouges qui nous gênaient. Alors on pose une bombe, parce que on anticipe sur la suite. J'adore les pics. C'est d'ailleurs à l'occasion de ton donjon que je les ai programmés et que finalement j'en ai mis un peu partout dans le reste du jeu. C'est clair. Moi, ce passage-là, je passe avec les bottes de Pégase. Je suis un gros bourrin. Je sais pas si ça marche. Il me semble que je passais. Mais il y avait un bug à un moment, parce que quand on était tout près, par exemple, de celui-là... Ah oui, c'était ça, devait être ça. Il se déclenchait pas verticalement. D'accord, il y a toujours le bug alors. Non, c'est Par c'est contre, bizarre. Il faut que tu réenclenches le cristal. Ouais, ouais. Et tu vas t'emmerder. J'adore cette partie bien chiante, là. Le moindre mouvement... C'est-à-dire que ouais, le bug, c'était que quand on était là, on pouvait passer, il se déclenchait jamais. Ouais. Mais apparemment, il y a un autre petit bug, enfin, c'est pas grave. C'est pas très bien méchant. Tant que ça blesse, je suis content. Donc là, c'est pour revenir. Donc là, on a une petite clé maintenant, on peut accéder à la salle droite. C'est que j'aime bien. Parce que là, ça poutre ça. C'est pour ce passage-là que j'ai décidé de prendre le précis d'escrime avant de faire ce donjon. Surtout que ça, en fait, on se rend compte que ça apporte rien à la vie, sauf des rubis quoi. Alors après, on va redescendre. On descend encore plus bas. Ici, on est au moins 1, c'est un étage où on n'était jamais allé jusqu'à présent. Ah, on n'a pas la boussole encore. D'ailleurs, la boussole, tu peux la voir si tu remontes, non ? Oui. Avant de faire ça, mais bon, c'est pas grave, on la prendra après. Il faut réaccéder au second étage, en fait, par l'autre porte. La méthode du paresseux. Voilà. C'est pas pratique. Ici, il y a la piscine privative du donjon. Avec une petite clé qui se cache au fond. D'ailleurs, une petite remarque, y a pas de bouche d'égout pour que l'eau se vide. Exact. Oh là là, le gros bug quoi. on va dire que c'est une piscine privative magique. C'est une petite incohérence. C'est une piscine privative magique. C'est ça. C'est pas grave, ce sera corrigé pour la prochaine fois. Donc là, on a deux petites clés. Ça tombe bien, il y a deux serrures. Et un grand coffre. Et un grand coffre, mais on n'a pas ce qu'il faut pour l'ouvrir, me semble-t-il. Et non. Donc on va prendre les plots. Il y a une statue qui bouge. Qui celle de droite, comme par hasard. Voilà. Ah, il y a des cœurs ici. Ça indique quelque chose. J'ai éventuellement une petite astuce à vous suggérer. La lanterne, c'est une arme très efficace. Ah ouais, c'est vraiment pratique. Et voilà. Rapide. C'est clair. Encore un petit pic. Et la grande clé. On voit le boomerang encore. C'est marrant. Petit bug comme ça. Bon, c'est pas vraiment un bug ça. Surprise, le dubbing de magie. Ta barre magique a doublé. Je suis sûr que vous vous y attendiez pas. Bon, ça fait plaisir. C'est clair, parce que la magie, pour le reste du jeu, il me semble qu'on va en avoir besoin. On a beaucoup besoin. Déjà là, avec la lanterne, c'est souvent un peu juste. Donc, c'est pas mal. Bon, là, on va pas se remettre à battre tout le monde, si. Mais bien sûr que si. T'aimes bien, hein. C'est clair qu'avec les possibilités d'escrime, c'est vraiment marrant, quoi. Je trouve ça trop bien. Tu sais pourquoi j'ai mis autant de monstres en fait? Parce que j'ai adoré cette partie-là dans Force Wars Adventure. Ah ouais. Il y a des parties où il y a énormément de... C'est vrai que dans les vieux jeux, ils pouvaient pas se permettre d'en mettre beaucoup parce que ça ramait quoi. Et maintenant, ça me fait penser aussi à une partie de Skyward Sword en fait. Ah, alors pas de spoiler parce que... Pas de spoiler. J'ai toujours pas fini, j'en suis au deuxième donjon. Ce qui est pas beaucoup. Non. Plus tant que tu as le jeu. J'avoue. Ok, donc effectivement, donc là, je te prendre la boussole. Je te propose d'aller chercher la boussole. Bah, je viens de la prendre. Ah oui. Pendant qu'on discutait. J'ai pas vu. Donc maintenant, il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut accéder à un étage supérieur. En fait, si c'était bon.
Donc c'était bien par là. T'as une fée? Ah non, j'aurais dû la prendre. Oh, c'est pas grave. Donc on est de retour dans la gigantesque salle. Voilà, maintenant qu'on a la grande clé, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y avait une porte aussi verrouillée. Et on continue à monter. Et là, les carrelages. Donc ça c'est pareil, c'est gros 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 clin d'œil à Link's Awakening. Et surtout À au Link to the temple du Past. masque. Ah oui, les deux, ouais. Autant, en fait moi au départ quand j'ai fait cette salle c'était surtout en pensant au temple du masque en fait. Gros gros fan de Link's Awakening. C'était une salle obligée quoi. Pense que t'as bien fait d'insister pour que je les programme les carrelages. Ah oui, j'étais bien emmerdé là-dessus. Hein. C'est jamais évident à faire des monstres comme ça. Et pourtant, Un comportement bien précis, un mouvement. C'est assez long à faire quoi. C'est vrai que ouais, c'est difficile, mais c'est fastidieux. ça valait le coup. Plus tous les récupérer les sprites et ainsi de suite. Un gros gros boulot. Mais c'est une belle réussite. Bon alors là, il y a plusieurs moyens. C'est un interrupteur chronométré. Le plus simple, c'est sûrement de mettre une bombe et de courir avec les bottes de Pégase. Ouais. Et en fait, quand on fait ça, on a largement de temps. On arrive avant que la bombe explose. Moi je fais ça avec aussi avec les flèches aussi. Ah oui, c'est rigolo. J'adore ça. Voilà. Je me suis éclaté quand j'ai fait ça. C'est juste pour le plaisir. C'est clair. C'est le Et truc là, qui ça. y a rien du tout dans cette salle. Voilà. Donc c'est pas un donjon non plus très très compliqué quoi. On va dire que c'est un donjon qui permet de rigoler un peu et Bon, ça c'est la partie, je sais pas, parodiesque du donjon, on va dire. C'est clair. C'est par où, je sais plus. Allez, c'est Ouais, peut-être par là. c'est à l'extrême droite, D'accord. semble-t-il. C'est facile pour rentrer, c'est à l'extrême droite, pour s'en sortir, c'est à l'extrême gauche. Donc y a vraiment rien de compliqué, quoi. C'est un truc. N'y voyez rien de politique là-dedans. Voilà, tout à fait. Le centre n'est pas représenté, j'en suis vraiment désolé. Donc là, on va pouvoir avoir un truc sympa, un quart de cœur. Voilà. On est bientôt au bout là. Un dernier pic. Lui, il est bizarre, il va que vers le sud. C'est juste pour emmerder le monde. C'est un truc Après, on vraiment. arrive dans un couloir super étroit. Et là, donc, c'est pareil là. J'aime bien le truc, ce genre de truc avec les pics. C'est bien, Ouais, c'est assez vraiment chiant sympa. si on n'a pas le coup de main en fait. Et voilà Là. la fée. C'est bon, on en a. On a une On en a fée. bien en réserve là. Donc là, on est au boss. Donc vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de clé de boss. Pas de clé du maître dans ce donjon. C'est un donjon un peu particulier. Voilà. Et on est tout en haut de la tour. Et voici le magnifique boss J'adore ce boss. que nous avons baptisé Poutroxor. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Le nom totalement débile. C'est clair. Donc là, il nous envoie l'espèce de squelette qui est en haut, qui est d'ailleurs repris de Link's Awakening. Aussi, oui, ça s'est repris de la tour du vautour, justement. C'est le boss de la tour du vautour. Oui, c'est vraiment un chouette clin d'œil, quoi. Ouais. Je suis fan. Moi j'aime bien le décor qui défile derrière. Sauf que dans la tour du vautour, le boss, il me semble qu'on le bat d'abord. On le bat en vue de côté. Ah oui, on le bat d'abord à l'intérieur. On le bat d'abord à l'intérieur et après il rejoint son vautour en fait. Ouais. Et effectivement, on le voit en vue de côté. Donc là pour l'instant faut bien tirer sur le squelette. Graphisme de la Game Boy oblige quoi. Si jamais vous manquez de flèches, il y en a qui apparaissent. Alors, Heureusement. une fois que le squelette est détruit, l'oiseau il est tout seul, puis il va beaucoup plus vite et il s'énerve beaucoup plus. Et là, faut lui tirer dans la tête. Alors, un moyen assez efficace de l'avoir, c'est quand il s'immobilise, on lui tire plein de flèches dessus comme ça. Clair quoi. Sinon, c'est assez difficile de l'atteindre. Oups. Oh, ça va, on a de la réserve de vie, hein, je pense que. Il est assez épique ce boss, moi j'aime bien celui-là. Ah, une flamme qui a On bugué. va en même temps les boss en haut des tours, c'est souvent épique. J'aime bien. Bon, alors là, on a des bugs avec les flammes. C'est pas grave, en fait Ah, elle vole celle-là. Bon, j'attends que les flèches réapparaissent. Ouais, on a. Je suis à court de flèches. Ah, voilà, On 10 peut pas flèches. y aller à l'épée? Non, c'est vraiment que les flèches. Ah bah Terminé. voilà. Bravo! Ben, bravo à toi pour ce fabuleux donjon. Et voici la récompense. Donc c'est un donjon sympa à faire, limite incontournable dans le sens où effectivement on a deux gros trésors quand même quoi. Le devis de magie et Et l'épée 2. l'épée 2.
Bah voilà, je crois que l'épisode va se terminer. On peut tout de suite tester un petit coup l'épée là. Oui, pour Ça voir son c'était des ennemis efficacité. super coriaces et là Bah on en voilà, tue en deux coups, ouais, deux ou trois. deux, trois coups. Hop, trois coups, c'est pas mal. Elle est deux fois plus puissante, c'est-à-dire qu'avant il fallait 6 coups, maintenant les 3 suffisent pour ces ennemis là. Ça poutre. Ça poutre, voilà. C'était le mot de la fin. Ok, bah, merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer à travers ce jeu. Non mais c'était super d'avoir des donjons qui sont pas faits tous par la même personne parce que C'est clair, on a chacun son style. on a tous un concept assez différent et donc c'est assez marrant. Hein. Ok. D'ailleurs, on peut voir que Metal Gear en finale est un gros sadique par ses donjons. Ceux Mais qui moi aussi, ont moi aussi. Joué à ZSXD comprendront. Ok, bah merci à tous de nous avoir suivis. Merci bien, À à la bientôt pour prochaine. la suite de la solution. Ciao, ciao! Ciao ciao.